Même les dictionnaires veulent faire du buzz. C'est incroyable. Non mais franchement, c'est incroyable. Faire du buzz parce que maintenant on a tout sur Internet. Donc qui veut acheter un dico, ouais, personne. Donc ils se disent bon, bah, on va rajouter des mots. Moi j'en ai un. C'est tellement ridicule. Ouais, mais ça... On a assez de. Je pense que c'est assez la fin du monde comme ça pour qu'on ait des mots comme ça. Dans... Je suis d'accord avec les académiciens que j'ai écouté parler. Non, que j'ai écouté parler et qui disent que si justement on veut qu'une langue reste vivante, ne meure pas comme le latin et d'autres langues, il faut absolument qu'elle continue d'évoluer et qu'on l'ajoute systématiquement. Mais laissez-le parler. Bap tout fragile, il y aura un contexte. Ça veut dire que j'essaye de te marcher dessus. Ça veut dire que j'essaye de t'éteindre. Je veux dire, vas-y, lâche-moi, t'es un bap tout fragile. Et donc, c'est comme une espèce de. C'est comme si tu veux, tu veux humilier le mec ou tu veux le rabaisser. Et donc. Et pourquoi ça, ce mot-là, il serait d'accord. Il ne va pas dans le dictionnaire. Une go, c'est quoi une go? Non, une go, c'est une fille, c'est une femme. Bien sûr. C'est ma go, c'est ma meuf, c'est ma femme. Exactement. Je suis d'accord avec lui. Raymond a déclaré. Bap tout fragile, à chaque fois que j'ai entendu des mecs dire bap tout fragile, c'était pour. C'est pas positif. C'était pour. C'est pas positif. Parler.